Attaquer la province d'Afrine pour la Turquie et son armée revient à s'octroyer de façon autoritaire et unilatérale un droit de poursuite à l'encontre des Kurdes. Avant d'envoyer les chars et d'entamer les hostilités, Ankara a prévenu ses alliés de l'OTAN, au premier chef desquels les États-Unis, mais également l'autre camp, la Russie, l'Iran, puissance agissante sur le territoire syrien. Il faudrait donc accepter que le président Erdogan intervienne là où bon lui semble qu'ils passent les frontières sans en référer à personne et mènent des attaques pour chasser, je cite, des terroristes. Alors sur l'usage de ce mot, soyons prudents, les Turcs disent ⁇ Nous n'attaquons pas la population du canton d'Afrine, nous chassons seulement ces combattants du YPG que nous qualifions de terroristes. S'agit-il pourtant de terroristes Qu'en est-il de la dangerosité de ces combattants kurdes Ces hommes, les Kurdes, réclament, si ce n'est un territoire indépendant, en tout cas une très très forte autonomie. ⁇ leur idéologie politique est ancrée à gauche, le PKK est un parti marxiste-léniniste, son modèle n'est pas la social-démocratie. Si demain tu leur donnes les clés d'un pays, ils te feront un régime communiste. Bon, à la sauce 2018, mais quand même. L'Amérique de Obama, puis celle de Trump, s'est tournée vers eux pour participer à la lutte contre Daesh en raison de leur capacité militaire érigée du bon vieux schéma des forces révolutionnaires de la guerre froide, la guérilla à l'ancienne. Notons au passage que les Américains se sont alliés avec des gens qui auraient été, en d'autres temps, leurs ennemis. Mais la guerre civile syrienne étant passée par là, il n'est plus d'alliance aujourd'hui qui ne soit frappée du sceau de l'irrationalité. Erdogan fait du PKK son ennemi juré. Il entend mener une guerre totale et fédère dans cette aventure des forces de l'armée syrienne libre, du moins ce qu'il en reste. Entre nous, qu'est-ce que l'armée syrienne libre vient faire dans cette histoire Elle chasse des combattants kurdes qui vont être remplacés aussitôt par des soldats turcs. Un occupant va chasser l'autre. Cela nous rappelle les scénarios. À la Libanaise, un pays atomisé par une guerre civile devenue le terrain de chasse de voisins qui s'arroge le droit d'intervenir à la barbe du droit international. Pour le Proche-Orient, voilà ce qu'il y a de pire que la Syrie soit de moins en moins un pays, de plus en plus un théâtre de règlement de comptes.